Hello Disney Village, le steakhouse, réputé au niveau de sa viande. Il y a aussi des plats pour les vegans, on verra ça après. Il y a, vous savez, à Disneyland, chaque endroit, chaque lieu présente une storyline. Ici, il n'y en a pas une, il y en a trois, qui n'en fait qu'une. Y va ? La toute première storyline, 19e siècle, début du 20e siècle, Chicago est connu pour ses abattoirs. De tous les États-Unis, du Sud notamment, les bœufs sont emmenés, au début les cow-boys, ensuite par train, sont emmenés à Chicago. Donc le sol, le carrelage, nous renvoie typiquement au type de carrelage qu'on pouvait trouver dans ce genre d'endroit. Et un point important aussi, qu'on néglige souvent, parce que c'est vrai qu'on focalise avec New York, mais la première ville à avoir des buildings, ça a été Chicago, qui était réputé pour ça. New York va très vite la rattraper. L'architecture sera révolutionnée avec l'utilisation de poutres, l'utilisation du métal à l'intérieur. Ce ne sont plus des bâtiments entièrement en pierre. Les coûts de fabrication reviennent moins chers. Et on retrouve cette architecture, un petit clin d'œil, à l'intérieur de cet endroit, avec les poutres en métal. Bonjour Monsieur Eiffel, au passage. La deuxième période de cet endroit, ça va être la prohibition. De 1920 à 1933, les États-Unis, il y aura une idée révolutionnaire pour lutter contre l'alcoolisme, c'est d'interdire l'alcool, interdire d'en vendre, interdire d'avoir des endroits où on peut aller boire. Une idée révolutionnaire, comme on sait très bien, qui a très bien aidé la mafia. Salut Al Capone. Beaucoup de respect pour Al Capone. Et donc du coup, avoir tout un marché clandestin qui va se développer, de l'alcool frelaté, des gens en bourse, ce sera assez catastrophique. Mais il faut des endroits où les gens puissent s'amuser, qu'on soit pauvre ou riche. Donc, un abattoir pour cacher un bar clandestin, c'est pas mal, non? Qui va aller chercher dans un abattoir un bar? Donc, quand vous rentrez dans ce restaurant, vous avez une porte à gauche qui est une porte en soi, normalement, pour une chambre réfrigérée. Mais il y a une fenêtre. Pourquoi faire? Un petit rideau. Pourquoi faire? Tout simplement qu'à l'intérieur, on avait un bar clandestin. Quand on tapait à la porte, on regardait en tirant le rideau par la petite fenêtre. Il était là. On avait quand même à faire rentrer Elliot Ness, non? Et la troisième période de cet endroit et de la ville de Chicago qui lui est rendue hommage ici d'une façon magistrale, ça va être les années 40-50. On va abattre le mur qui cachait le bar clandestin. On aura un accès direct à la Seine qui est au fond du restaurant. Et là, les jazzmen, bluesmen pourront se produire et surtout créer un style, le son, ce blues, ce jazz de Chicago. On peut penser à Buddy Guy, Holly Wolf, des génies du jazz, va avoir une fusion. Jusqu'à maintenant, le blues, c'est l'harmonica, une guitare, une voix. Là, on va mettre la guitare électrique, puis acoustique. On va rajouter de la basse, des enceintes, des amplis. Ça prend une autre ampleur. C'est un son typique de Chicago. Un de mes films préférés, The Blues Brothers, se passe dans l'état de l'Illinois, où est situé Chicago, avec un final dans cette ville qui est absolument incroyable.
De fait, au mur, vous avez des portraits de jazzmen, hommes, femmes, qui se sont produits dans cet endroit. Des génies, des géants du jazz et du blues. Comme l'endroit devient respectable, forcément, on va avoir aussi des hommes d'affaires, des businessmen, des hommes politiques qui vont venir fréquenter les lieux. Forcément, eux aussi ont envie d'avoir leur portrait au mur. Et en même temps, pour les propriétaires, c'est très bien d'avoir les portraits de personnes importantes, de personnes influentes. Vous avez sur une des cheminées, juste une fois qu'on a passé l'entrée, un homme politique important qui est Richard Daley. Richard Daley a battu un record. Il sera de 1955 jusqu'à sa mort en 1976, maire de Chicago. 21 ans à la mairie de Chicago. Comme tout homme politique, bien sûr, il trimballe quelques gamelles, mais c'est un homme important. C'est une des personnalités à l'heure actuelle toujours préférées dans la ville de Chicago. C'est un homme politique extrêmement important. Vous avez ce portrait au-dessus de la cheminée. Effet absolument incroyable. C'est des années plus tard. Son propre fils va battre son record en restant à la mairie de Chicago 22 ans. Il y a des familles comme ça. Si vous êtes vegan et vous êtes avec des amis ou de la famille qui veulent venir ici, et essentiellement c'est axé sur la viande, ne vous inquiétez absolument pas, vous avez également de quoi vous contenter. On passe la parole à Steph qui vous fait le menu dans les détails. Elle est partie, elle est lancée, elle fait le menu dans les détails. Nous vous proposons à la carte, chers amis, un menu jazz à 35 euros, boissons non comprises. Un menu Chicago, entrée, plat et dessert à 45 euros, boissons non comprises. En entrée, salade romaine, sauce César, poulet grillé, croûtons à l'ail et coupeau de Parmigiano-Reggiano, ou velouté de tomates mode Chicago et son pain de maïs, ou carpaccio de bœuf au pesto, coupeau de Parmigiano-Reggiano et roquette. En plat, vous avez de la hampe de bœuf et sauce au poivre fumé, accompagnée de frites, ou travers de porc confit, sauce barbecue fumée bullseye, et pommes au four et crème à la ciboulette. Ouh là 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 là. Ou penne au saumon et crème parmigiano-reggiano, ou cocotte de volaille à la crème de maïs et cheddar épicé, accompagnée de riz basmati. En dessert, un crémeux à la vanille, cœur pralin et croustillant aux éclats de noisettes, ou coupe de fruits, sirop aux épices douces et feuilletées caramélisées. Ou chocolat fudge cake et crème anglaise. Nous avons un petit menu enfant à 25 euros de 3 à 11 ans. Alors, pour ceux qui sont végétariens, spécifiquement, vous avez le petit V qui est ici, qui vous dit que donc le plat que vous allez manger est végétarien. Donc on a velouté de tomates, à la carte. Velouté de tomates mode Chicago et son pain de maïs. Steakhouse César salade, donc je vous ai déjà décrite. Tartare de légumes, racines à l'huile d'olive et émulsion de soja au Redfort. Cheesecake Kiri aux deux saumons et purée d'avocat au citron vert, terrine de confit de foie de volaille à l'ancienne, carpaccio de bœuf au pesto, copeaux de parmigiano reggiano et roquette. Nous avons aussi le Chicago Steakhouse Premium Steak, accompagné d'une garniture de votre choix, frites, pommes au four, crème à la ciboulette, riz basmati, poêlée de légumes. Les poids sont indiqués, sont avant les cuissons, donc voilà, ça peut varier de quelques pourcentages. Le T-bone pour 350 grammes de viande environ à peu près, sauce béarnaise, filet de bœuf, sauce au poivre fumé, entrecôte de bœuf, beurre au whisky et poivre fumé, tartare de bœuf, charolais au couteau assaisonné par leur soin, hampe de bœuf, sauce au poivre fumé, bavette d'aloyau à partager pour deux, 600 grammes environ, confit d'échalote, sauce au bleu et sauce au poivre fumé. Donc voilà, les plats, vous avez le burger au bœuf charolais, la cocotte de volaille à la crème de maïs et cheddar épicé, les penne au saumon, toujours pour nos amis véganes, vous avez le burger végétal, donc avec compoté d'oignons, courgettes, aubergines, tomates, tranches végétales, saveur cheddar et roquette, accompagné de frites, travers de porc confit, toujours pour les véganes, penne végétarienne aux légumes, le surf and turf, c'est un filet de bœuf aux gambas, je me mets comme ça parce que j'ai le soleil, filet de bœuf aux gambas grillées, sauce béarnaise, grémolata, pomme au four et crème à la ciboulette, steak à XL, César salade, gambas grillé, steak au thon. Ensuite en dessert, crémeux à la vanille, chocolat fudge cake, chicoda sundae, cheesecake, coupe de fruits, café gourmand, carpaccio d'ananas, profiterole géante.
ne peut pas trop vous faire entendre, on va encore avoir des petits problèmes, on va être bloqué, mais la bande son, là on a Marilyn Monroe, période jazz, on a eu Shirley Bassey, c'est un régal pur. Amusez-vous à chercher tous les détails par rapport à ce que je viens de vous dire, ce que je vous montre, donc la période abattoir, la période bar clandestin et la période endroit respectable, nous sommes encore. C'est vraiment le sol, le plafond, les poutres, la partie du mur cassé qui révèle justement l'ancien abattoir qui était là, entrepôt à viande. Un petit détail qui a son importance, ils prennent le passe manuel. Vous avez cette réduction-là. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose très importante dans les restaurants Disney, qu'est-ce qu'il y a toujours? Du beurre Disney. Voilà. La famille Disney. Disney. C'est bon le beurre, avec du pain. J'ai choisi le carpaccio de bœuf. Regarde-moi la beauté. Ah oui, très beau. Petit graissin. Très bien fourni. Oups, hop, t'as voilà. Cassé le graissin. Bravo. Ah non, là. Et moi, j'ai pris la salade de poulet. La salade, oui, c'est ça, avec du poulet, des petits croutons. Voilà. C'est pas... Chicago César. Moi, le carpaccio, j'ai fait une fête. Il est très, très bon, très fin. L'huile d'olive, elle est bien dosée. Et c'est copieux, en fait, mine de rien. Ah, regarde. Alors, toi, ta salade, la Chicago César. Elle m'a l'air bien copieuse. Le plat a l'air petit, mais c'est copieux, en fait. Oui. Très, très bon. Non, non, vraiment, je suis très contente et du cadre et de ce qu'il y a dans l'assiette. Pas déçue du tout, très, très, très étonnée. Jamais de l'extérieur, j'aurais pensé être dans un endroit aussi incroyable. Magnifique. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Et tu regardes même les tables, elles sont absolument incroyables. Regardez sous les tables aussi. C'est bon? Ah oui, j'ai fait ça fait. Avec la petite sauce et les frites. Voilà. C'est quand même un restaurant qui est quand même vraiment basé sur la dégustation de viande, on est bien d'accord? Bien sûr, puisque l'historique avec les abattoirs, je reviens là-dessus, mais voilà, Chicago. D'ailleurs, fan de basketball, vous le savez, mais pour les autres personnes, les Chicago Bulls, justement, c'est une référence à ça. Je viens de découvrir ta petite casserole de sauce. Avec la sauce, non mais j'adore, c'est vraiment une petite casserole. J'ai l'impression d'être du l'hiver. Les gens doivent se dire, ça change beaucoup. J'aime bien au niveau des banquettes, vous avez les petits miroirs derrière vous. Ça va? C'est bon? La viande est excellente. Tu as pris la même chose que moi. C'est toi qui as pris la même chose que moi. J'ai pris avant. Non. Je suis désolée, j'avais déjà décidé dehors. L'endroit, l'extérieur, de nuit, c'est très très beau aussi, au niveau des lumières, des éclairages. Tout à fait. Tu manges façon pionnier, toi. La viande est succulente. Voilà, une hampe de bœuf. Et ce que j'aime, c'est la casserole. La petite casserole, ouais, elle est excellente. Ouais, elle met la pile. Toujours bien? Ah oui, 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 oui. En plus, c'est bien parce que quand j'ai vu la pièce arriver, c'est de 200 grammes environ, je me suis dit, elle va pas tout manger. Donc, j'ai récupéré le dernier morceau de ta hampe de bœuf. Je mange lentement hein, aussi. Et ouais, ouais, super. Alors, donc, c'est par train que les bœufs étaient acheminés à Chicago. Et si vous pouvez regarder au niveau des cheminées, vous avez de maquettes de trains, très belles maquettes bien sûr, vous savez des trains. Bien entendu, on vous parle du beurre Disney, d'où est originaire la famille Disney. Chicago, vous vous rappelez, un jour j'en avais parlé, même dans un doc qui a passé à la télé, j'en ai parlé, la plaque d'égout offerte par la ville de Chicago. Pourquoi? Parce que Walt est né à Chicago aussi.
avant Marceline qui va inspirer Main Street USA. Donc tout se recoupe. Rien n'est un hasard à Disneyland. Et un point super important également, en effet, quasiment face à face. On a deux restaurants face à face d'une qualité assez hallucinante. Vraiment, très très bonne qualité. Et vraiment, je suis très contente. Entre les deux, mon cœur balance. Ah, Chicago ou Paris ? J'ai à Chicago. J'aime bien Chicago aujourd'hui, Paris peut-être plus tard dans le mois. Al Capone ! Bien sûr, je précise, la mafia n'existe pas. Pouvoir manger ça. T'inquiète, je suis là. Très bien, chérie. Vous êtes deux pour tout manger. Est-ce que je vous propose un café, thé ou quelque chose? Non. Non, pas du tout. Merci, monsieur. Ouh, le chocolat. Un vrai chocolat. Regardez-moi cette beauté avec sa crème anglaise. Waouh. What's up, Doc? Bon, Doc. Deux vidéos d'affilée, je te place un WhatsApp doc. Incroyable. Mais tu sais, il y a le docteur dans le Doctor Who et il y a le docteur Chris qui teste tout, qui va partout. Alors naturellement, je ne suis pas gâteau au chocolat. Voilà. On va penser que c'est faux ce que je suis en train de dire, mais pas du tout. Elle a voulu m'imiter, elle a pris un gâteau au chocolat. Mais j'ai pas voulu t'imiter, j'ai trouvé que c'était très alléchant ce qui était proposé. Eh ben, il est très bon. Tu sais, c'est ce que les abonnés disent quand ils voient dans le parc. C'est très intéressant ce qu'ils nous proposent. Trop de nourriture. Et donc, non, très bon. En face de ta règle, dans mon cas, il n'y en a jamais trop. Certaines personnes, il y en a trop. Dans mon cas, il n'y en a jamais trop. Pardon, vas-y, tu veux parler du gâteau. Incroyable. Le gâteau, très bon, pas trop chocolaté et une petite crème anglaise. Oui, pas trop. Je peux pas m'exprimer. En fait, je ne m'exprime plus dans les vidéos parce que monsieur a décidé de s'exprimer tout seul. Exprime-toi tout seul alors, le chocolat. Attends, regarde. Cérémonie. La cérémonie de la crème anglaise. Faut tout verser après avec le gâteau, badigeonne. S'éclate. Il n'y en a plus, Christophe, c'est bon. Christophe. Non. Ah, Christophe, arrête, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Là, il y en a. Mais non, mais tu fais pas ça. Tu fais pas ça. C'est fait. Non. Oh, regarde, ça fait une déco de ma part. Le gars fait de l'art. Écoute, t'es content, chérie, c'est le plus important, hein. Merci beaucoup. Ça rentre à l'intérieur de sa bouche. Ah ouais, il est bon. Bah, prends pas cet air triste. Non, je vais te dire, il est bon. Hein. Non, il est bon. Bon, bah, t'as fait la fête au dessert. Intérieurement, je jubile. Et je pense que c'est visible à l'extérieur. Parce que je vois que ça fait un petit moment, tu touches plus à la fin de ton gâteau. Et te connaissant, je me dis que ça va finir dans mon bidon. Mais pour la peine, je vais peut-être le finir, ce gâteau. Sérieux? Mais non, tiens, allez. Attendez, non. Je l'avais expliqué dans une vidéo, mais voilà le conseil de Tonton Chris. Je l'ai déjà expliqué, je le réexplique. Tonton Chris, maintenant. Lorsque vous allez vous mettre en couple, prenez avant, renseignez-vous bien avant. Et choisissez quelqu'un, c'est primordial, qui ne finit pas ses assiettes, qui n'aime pas forcément les mêmes choses que vous. Comme ça, vous allez avoir du rab. Pensez à ça. C'est la chose numéro un dans un couple. La sélection de l'autre. Oh, c'est pas pensable. Tu devrais faire carrément une bible de tes conseils, je pense. Tu sais, un peu comme... Tu rigoles, mais je suis sûr que les gens doivent se dire, ah, mais oui. Les gens entendent énormément sur Instagram. Comment être un Drix. Cinéma, non, mais les films, les séries que je regarde, les entraînements. Mais je pense que je vais donner aussi des conseils de vie en général. On l'appellera la vie de Tonton Chris. L'art de la baffe dans la gueule sur ceux qui marchent sur les pieds. Non, mais j'ai plein de trucs à donner. Vous n'avez pas idée le nombre de baffes que je peux distribuer à un an.
Des fois, des têtes qui rentrent dans les murs aussi. Des têtes qui rentrent dans les murs, j'aimerais bien voir ça, tiens. Bon, allez, faut que tu t'attaques, il te reste deux gâteaux à manger. Il est content. Alors, nous allons découvrir les toilettes. Pour vous rappeler que j'ai un Instagram sur les toilettes de Disneyland Paris. Donc, je vais faire ces toilettes-là que je n'ai pas encore sur mon Instagram, qui s'appelle DLP Toilette Info. Voilà, comme ça. DLP Toilette Info ou DLP Toilette Infos. C'est comme vous voulez. Sur Instagram, je vous invite à me rejoindre. Il y a toutes les toilettes de Disneyland et des hôtels en particulier. Il y a des choses que je n'ai pas encore faites. J'ai complètement oublié de faire celle de Rosalie. Donc, je vais faire celle du Steakhouse. Avant de conclure, un point sur l'accueil qui était absolument génial. Coucou à notre serveur, oui. Vraiment impeccable. Oui, vraiment d'une gentillesse, tout le monde incroyable. Et donc je répète quand même que le pass annuel est pris. Oui, oui, on n'est pas infinity, on nous pose souvent la question pour l'instant. On est toujours pas infinity. Et vraiment, une très belle découverte. J'ai attendu trop d'années avant de venir ici, je ne reviens pas. L'intérieur, l'extérieur ne donne pas du tout, ne rend pas justice au restaurant. Croyez-moi, l'intérieur est fantastique. Bah, ils ont vu. Ils ont vu, pardon. Ils ont vu, c'est comme d'habitude, moi. Toujours en train de retard. Voilà, moi j'étais à Chicago pendant quelques heures et c'était super. La bande son est géniale. Comme je me répète, on passe trois périodes de l'histoire. Ouais. C'est la storyline de ce lieu qui est assez exceptionnelle. C'est top. Et donc on avait pris les deux menus, plus les boissons qui ne sont pas incluses dans les menus. Et avec la réduction Infinity, ça nous a fait 85 euros pour deux. Pour deux, voilà. Et c'est excellent. Oui, oui, c'est de la très très bonne nourriture. C'est vraiment un bon niveau de restauration et c'est très très sympa. C'est chaleureux là, en plus en hiver, c'est super. Il y a un beau feu de cheminée là-bas. Oui, cheminée. D'ailleurs, cheminée, ça. Et en même temps, l'endroit est très cosy et en même temps très très lumineux. C'est très aéré, c'est beau, les lustres sont magnifiques. Super découverte, vraiment. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser un commentaire, n'oubliez pas de prendre soin de vous. On vous embrasse. Soyez curieux et repoussez vos limites.